Clermont, leader, accueille Auxerre 15e. Les Clermontois sont impressionnants depuis le début de la saison. Une équipe invaincue. Auxerre se déplace avec l'ambition d'obtenir un bon résultat. Les Bourguignons sont irréguliers sous la direction de Jean-Marc Furlan, leur nouveau coach. Une équipe d'Auxerre qui se présente à Clermont avec Rémi Dugimon, ancien buteur de Clermont et titulaire avec la GIA. Le début de match est difficile pour Auxerre. Carton jaune pour Mathieu Michel. Le gardien d'Auxerre est sanctionné pour cette faute sur Mario Gonzalez. Pénalty pour Clermont. Un pénalty transformé par Adrian Garbic. 21e minute, 1-0 pour l'équipe auvergnate. Mathieu Michel parti du bon côté mais qui ne peut pas sauver face à Garbic. 5e but de la saison pour Garbic. 5 buts en 5 matchs. C'est le 2e meilleur buteur de Dominos League 2. L'attaquant autrichien intenable. Nouvelle énorme opportunité pour Clermont avec le tir de Mario Gonzalez et la parade de Mathieu Michel. En première période, les Clermontois font beaucoup d'efforts et sont tout proches de mener largement. Mais ils ne mènent que 1-0 et ce coup franc d'Auxerre est menaçant. Auxerre toujours dans le match, il n'y a que un but d'écart à la pause. En seconde période, les joueurs de Jean-Marc Furlan sont un petit peu plus inspirés et commencent à trouver quelques solutions. Égalisation à un quart d'heure de la fin de Yanis Merdji. 4e but de la saison pour Merdji. Déjà un but de plus que toute la saison dernière pour lui. Il revient en très bonne forme. Et Auxerre se relance complètement dans cette partie. Clermont se fait surprendre. Ballon relâché par Maxime Dupé directement sur Merdji. Clermont avait toutes les chances en première période d'augmenter le score. Mais les joueurs de Pascal Gastien n'y sont pas parvenus. Et Auxerre réussit à revenir de son déplacement avec le point du nul, un partout entre Clermont et Auxerre.